L'activité physique a un effet bénéfique sur la santé physique et mentale. Cependant, savez-vous que seule une minorité des jeunes atteint les recommandations nationales d'activité physique ? Plus de 60% des 6-17 ans sont aujourd'hui sédentaires et les risques sont multiples. Obésité, maladies cardiovasculaires, diabète ? Vous êtes éducateur sportif, animateur socio-culturel ou directeur d'accueil collectif de mineurs ? Le CNDAPS, en s'appuyant sur une démarche ICAPS, vous accompagne dans la mise en place de plusieurs activités physiques articulées entre elles. Cette démarche qui cible les jeunes, leur entourage et leur environnement, approche socio-écologique, prend en compte les jeunes dans leur milieu de vie pour les aider à bouger davantage et à réduire leur sédentarité et leur temps passé assis. Il s'agit d'une approche simple, souple et reconnue efficace et probante par l'OMS, qui vise une augmentation de la pratique d'activité physique des jeunes de 1 heure par semaine et une réduction de la sédentarité. ICAPS repose sur un programme d'action articulé entre elles, sur une synergie partenariale, tout en instaurant un suivi régulier des actions mises en place. En mettant en œuvre durablement des actions contre la sédentarité et pour la pratique d'activités physiques au sein des centres sociaux, des centres de loisirs et des associations sportives, il est possible de prévenir le surpoids, d'augmenter l'activité physique régulière et de réduire la sédentarité des jeunes. Alors, pour tout savoir sur la labellisation ICAPS de vos structures, notre plateforme de suivi et d'évaluation en ligne, rendez-vous sur www.cndaps.fr.